Mon intervention n'est pas du tout le résultat d'une longue recherche sur la question du paysage, hein, pas du tout. C'est pas du tout mon domaine. C'est juste le fruit d'une interrogation que j'ai eue face à certains documents qui étaient conservés dans la sous-série VA versement de l'architecture, dont on vous a déjà parlé aux Archives nationales. Ceux qui concernaient le lycée climatique d'Arcachon et le lycée Marseille Vert de Marseille. Voilà, deux plans, deux séries de plans datées de 1945. Alors, en faisant ma communication, j'ai un peu évolué par rapport au premier titre qui voulait parler surtout de la seconde partie du XXe siècle. Et je me suis rabattue sur le 19e, 20e siècle. Je connais un peu mieux le 19e d'ailleurs que le 20e. Voilà, mais c'est un peu parce que la construction de cette intervention s'est faite vraiment là, tout récemment. Voilà. Et puis, je me suis posé des questions qui ont parfois amené des réponses qui étaient négatives. C'est un peu étrange, mais vous verrez pourquoi je vous dis ça. Alors, la première chose, c'était de vous présenter l'environnement institutionnel de cette sous-série VA. Voilà. Alors, qu'est-ce que la sous-série VA? Eh bien, c'est un versement qui nous provient de la direction de l'architecture qui a été fait en 1960 aux Archives nationales. Par la direction de l'architecture du ministère de la Culture, mais en fait, ce qui a été versé, c'est ce qui provient de la direction de l'architecture d'avant, celle de l'éducation nationale. En fait, c'est le même service. Voilà. On n'y trouve que des documents graphiques, environ 7600 plans, qui vont du XVIIe siècle au XXe siècle, la seconde moitié du XXe siècle. Le tout forme 218 articles, dont certains sont reliés. Ce sont des documents aussi qui sont pour certains en très bon état et pour d'autres en très mauvais état, ce qui explique d'ailleurs que ici aux Archives nationales, le parti a été pris de communiquer les documents graphiques, en tout cas ceux qui sont dans les magasins cartes et plans, sous forme d'extraits, ce qui nous laisse le temps de les préparer matériellement à la communication, parce que avant à Paris, on n'avait pas du tout les moyens de conditionner bien ces documents. Donc on le fait à la demande au moment où le lecteur nous demande, on rattrape le temps perdu. Voilà, mais enfin 200 ans de mauvais conditionnement, ça ne se rattrape pas en un an, ni en deux, surtout avec les faibles moyens dont on dispose. Voilà. Alors pour cette série, il existe un inventaire détaillé il existe un inventaire numérique très détaillé, qui, hélas, pour l'instant, n'est pas accessible en ligne, mais qui est dans le train de dématérialisation des inventaires qu'on lance cette année et qui, à court terme, enfin à moyen terme en tout cas, sera accessible. Et de toute façon, cet inventaire, il est accessible en salle et on l'a scanné. Et donc, on peut aussi vous l'envoyer, soit si vous travaillez sur tel secteur, soit en entier. Il existe sous format scanné, donc on peut vous l'envoyer. Alors cette série trouve des compléments dans la série N des Archives nationales qui elle est conservée à Paris, qui est aussi une collection de plans épars, surtout regroupés au moment de la Révolution, donc plutôt ancien régime, mais on a aussi des plans du 19e voire du 20e qui sont conservés et vous verrez que certains plans se complètent d'une série à l'autre. Et puis les dossiers d'origine de ces plans, puisque cette cartothèque qui a été constituée par la direction de l'architecture à usage des architectes, des bâtiments civils et palais nationaux au XIXe siècle ont été sortis des dossiers, eh bien, cette cartothèque trouve ses compléments écrits dans les sous-séries O1 à O5, hein, la maison du roi ou de l'empereur, et puis les fonds des bâtiments civils sous-série F13 et sous-série F21, Beaux-Arts, où on trouve tout ce qui concerne l'architecture. Et puis après, les cotations continuent. Voilà. Alors tout ça est décrit dans pas mal d'inventaires, hein, vous trouverez en ligne aussi, et ça je peux aussi vous l'envoyer, une liste de ces bâtiments civils. Vous avez le guide des sources de l'histoire de l'art qui a été publié sous la direction de Martine Plouvier, qui vous donne aussi toutes les ressources sur un bâtiment ou sur la question des archives d'architectes aux Archives nationales, etc. Donc tout ça, vous avez des ressources qui vous guident pour l'exploration de cette série et de ses suites ailleurs. Voilà. Alors la direction de l'architecture, qu'est-ce que c'est? C'est une direction qui a été créée formellement en 1833, mais en fait, et puis qui a poursuivi sa vie jusqu'en 1968, et on peut dire aujourd'hui que son héritier, c'est l'OPIC,
hein, à travers, voilà. Mais, et puis tout ça a eu lieu à travers différents rattachements ministériels, l'intérieur, le ministère d'État, la maison de l'empereur, les beaux-arts, l'instruction publique, divers noms, diverses modalités de constitution des services. Mais enfin, en soi, ça ne pose pas tellement de problèmes parce que tout ça se retrouve finalement dans F13, F21, la série O et puis les codes continus décrites dans le guide des sources de l'histoire de l'art. Voilà. Donc pour le chercheur, il y a 3-4 séries à explorer pour faire le tour de des fonds provenant de cette direction. Alors cette direction est beaucoup plus ancienne parce qu'en fait elle provient d'une direction qui a été créée au moment de la Révolution, à un moment où la notion d'architecture publique et sa prise en main par l'État apparaît par un décret du 27 avril 1791 qui attribue au ministère de l'Intérieur une mission nouvelle, la direction des objets relatifs aux bâtiments et édifices publics. Donc vous voyez, c'est une mission extrêmement large qui se comprend dans le contexte de nationalisation des biens du clergé, qui fait que l'État devient propriétaire d'un immense parc évidemment de biens. Par ailleurs, vous avez toutes les confiscations ultérieures, hein, la chute de la monarchie 1792, les confiscations sur les émigrés, et puis toute la mise en place de la nouvelle administration, enfin toute la reprise aussi des propriétés des établissements, enfin des administrations d'ancien régime supprimées, et toute la mise en place de la nouvelle administration sous la Révolution et l'Empire, qui fait que on crée, on reprend des bâtiments, on les approprie, on en construit, on en aménage. Et avec tout ça, évidemment, on va aménager aussi les jardins. Alors, avec cette vaste compétence, hein, définie en 1791, que fait l'État au cours des 19e et 20e siècles ? Ben, il achète, il construit et il aménage des bâtiments publics. Et puis, alors des bâtiments publics qui sont de niveau État, hein, puisque dans les archives, il faut toujours distinguer le niveau État et le niveau local. Même si au niveau de l'État, vu la forte centralisation de la France au 19e et 20e siècle, tout remonte à l'État. Il y a un contrôle toujours qui se fait au niveau de l'État. Et c'est justement la deuxième source de dossiers sur les questions d'architecture et de jardins et paysages qui vont avec. C'est le contrôle de l'État sur toute cette construction publique. Dès qu'il y a finance publique, il y a contrôle de l'État. Et aussi le financement, le subventionnement, comme on a déjà évoqué, de cette construction publique et des aménagements du territoire qui vont avoir lieu au 19e et 20e siècle. Alors, cette double action de l'État, constructive et de contrôle ou de subvention, elle apparaît dans deux services qui sont créés à cette période révolutionnaire et donc qui vont prendre forme en 1833 sous le titre de direction de l'architecture. C'est le service des bâtiments civils d'une part. Donc c'est un service auquel s'agrègent de temps en temps les palais nationaux en 1848-1852 quand il n'y a plus de souverains, et puis définitivement en 1870. Et autre entité qui forme cette direction de l'architecture, c'est le Conseil des bâtiments civils qui a été créé en 1795 et qui lui avait pour mission vraiment de contrôler toute l'architecture publique. Dès qu'il y avait subvention de l'État, il contrôlait à la fois la qualité de l'architecture et le coût. Et puis il y a des tas d'autres services. Alors tout ça est expliqué dans différents articles publiés un peu partout et puis dans le guide des sources de l'histoire de l'art. Et notamment, j'avais fait un article et une journée d'études là-dessus en 2009 qui a été publié dans les LHA, les livraisons d'histoire de l'architecture, qui s'appelle Bâtir et orner, où on a toutes les explications sur ce cheminement du contrôle et de la subvention de l'État au-delà du service de la direction de l'architecture. Alors, qu'est-ce qu'un bâtiment civil ? Eh bien, d'abord, c'est un bâtiment à caractère national, ou alors aussi une série de monuments très hétéroclites, mais à portée nationale aussi. Alors, ces bâtiments et monuments sont traités par un corps spécifique d'architectes, qui sont les architectes des bâtiments civils et palais nationaux, quand les palais nationaux rejoignent ce service. Alors, certains de ces bâtiments n'y entrent que pour une période provisoire de construction, par exemple pour la Sorbonne ou le laboratoire de zoologie maritime de Taitiou, voilà, ça rentre, ça sort, voilà, ou pour certains gros travaux, et puis après ils disparaissent de la liste. Alors dans cette liste, on va trouver des établissements nationaux patrimoniaux, comme les archives nationales, culturelles, comme l'opéra, d'instruction publique, comme le Collège de France, ou les Beaux-Arts, la Sorbonne,
des établissements d'assistance comme les sourds-muets, de recherche comme les divers muséums d'histoire naturelle, les observatoires, la station de chimie végétale de Meudon, voilà, divers autres édifices ou monuments mémoriaux comme la basilique de Saint-Denis, les Invalides, le Panthéon, etc. Et puis les haras nationaux jusqu'en 1900 et des établissements thermaux de façon ponctuelle. Voilà, alors tous ces bâtiments sont à Paris, beaucoup, mais aussi en province et à l'étranger. Alors en province comme l'école vétérinaire de Lyon ou de Toulouse, et puis l'Académie de France à Rome. Voilà, dans l'entre-deux-guerres s'ajoutent les ambassades, consulats, légations françaises à l'étranger. Et puis, donc ça c'est la liste des bâtiments civils. Après, on a les palais nationaux. Alors ça, on voit tout de suite ce que c'est Versailles, Marly, Compiègne, Fontainebleau, etc. Mais tout ça est fini par être géré par la même administration, auxquels sont agrégés les domaines, alors le jardin fleuriste de Sèvres, les bergeries de Rambouillet ou de Perpignan, les bois et forêts de Vincennes, de Dourdan, etc. Voilà. Et quand il y a un souverain, s'agrègent aux palais nationaux et domaines des bâtiments comme la Bibliothèque nationale, la Comédie française, l'Opéra, les manufactures des Gobelins, etc., qui autrement sont versés dans les bâtiments civils. Bon, il y a des jeux d'aller-retour administratifs, mais bon, ça n'a pas beaucoup de conséquences au niveau des archives, on trouve tout à peu près au même endroit. Voilà, à ça s'ajoutent encore des agences d'architecture établies dans les bâtiments et qui sont elles aussi cornaquées par l'architecte en chef des bâtiments civils responsables du bâtiment et dont les archives sont parfois parvenues aux archives nationales. C'est le cas pour le Panthéon, le Louvre, les Invalides en partie, la Sorbonne et le Grand Palais. Voilà. Alors pour toutes ces séries, on a des inventaires très détaillés que je ne vous liste pas, mais sachez qu'ils existent. Voilà. Le Conseil général des bâtiments civils, son rôle, c'est vraiment, comme je vous ai dit, un rôle de contrôle. Très étendu dans la première moitié du 19e siècle, où alors là, ils contrôlent tout, vraiment. Le moindre lavoir de village, la moindre halle, le moindre abattoir, tout y passe. Et puis, bon, il perd un peu de sa superbe dans la seconde moitié du 19e siècle, mais il est revitalisé, surtout après la Seconde Guerre mondiale, où il va se réformer et on va créer des sections spéciales et des commissions spéciales, notamment la section de l'Ordre des architectes. Donc là, tout ce qui est le relève du contrôle de l'ordre et aussi des architectes paysagistes va passer par là. Une section des ordonnances urbaines qui peut vous intéresser aussi. Une section des parcs et jardins nationaux qui est distinguée de celle des palais. Et puis une section spéciale très importante pour ma communication, celle des bâtiments d'enseignement. Voilà. Et puis il y a des commissions. Alors encore une commission nationale des constructions scolaires économiques. Les constructions scolaires doivent être économiques. Et puis, une commission nationale d'agrément des architectes de la reconstruction et de l'urbanisme. Voilà. Alors, par sa tutelle de l'ordre des architectes, le Conseil est amené à défendre notamment les architectes urbanistes ruraux. C'est une notion qui apparaît dans les dossiers que je suis allée consulter. Notamment, il les défend contre les ingénieurs du génie rural qui, visiblement, empiètent un peu sur leur plate-bande, si je puis dire. Voilà. Alors, les architectes des BCPN, qui sont-ils? En général, ce corps spécifique que j'ai déjà évoqué, ce sont des agents publics qui produisent des archives publiques. Alors, ça n'empêche pas que ces archives, par le cours de l'histoire, se soient un peu dispersées partout. Mais bon, voilà, je le répète, ce sont quand même des agents publics qui sont héritiers au début, évidemment, des architectes d'Ancien Régime, de la Maison du Roi. Voilà, donc ça crée quand même une culture. Ou architectes pour... voilà. Et puis à partir... ils sont nommés par arrêté ministériel et leurs fonctions sont... leurs attributions sont détaillées par ces arrêtés. On est architecte responsable du palais de Compiègne ou du palais de Versailles, etc. Voilà. Ou de telles entreprises de construction pour un temps donné. Ils sont recrutés par concours à partir de la fin du 19e siècle. Ils sont pour la plupart issus de l'école des Beaux-Arts, mais ils peuvent provenir d'autres écoles d'architecture et certains ont aussi quand même une formation d'ingénieur. Cela dit, ça n'a pas beaucoup de conséquences parce que les ingénieurs au 18e et au 19e siècle sont aussi des grands dessinateurs et des grands amateurs de paysages, comme j'essayerai de vous le démontrer.
Voilà. Alors, ils ont parfois de multiples casquettes aussi, hein, ces architectes en chef des BCPN, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir cette fonction publique avec archives publiques, mais ils ont souvent à côté des activités, on va dire, privées, et qui font que leurs archives sont parfois difficiles à démêler. Alors, je voulais vous parler plus particulièrement des architectes des BCPN et du paysage. Évidemment, quand il est responsable d'un bâtiment ou d'un palais, l'architecte prend aussi en charge les jardins, le parc et tout le paysage qui entoure le bâtiment. Alors, cette gestion du bâtiment varie évidemment avec la nature du bâtiment lui-même, hein. Évidemment, quelqu'un qui s'occupe de la bibliothèque Sainte-Geneviève, il ne va pas avoir grand-chose à faire autour du paysage. Hein. Voilà, ça c'est évident. En revanche, les architectes responsables de Versailles, de Marly, de Compiègne, de Fontainebleau, de Rambouillet, du Château de Pau, de Saint-Cloud, de Saint-Germain-en-Laye, etc., eux, évidemment, ils vont avoir une activité sur le paysage très importante qui va apparaître dans leurs papiers et dans les dossiers. C'est la même chose pour les palais à Paris, comme le Louvre et les Tuileries, ou le palais du Luxembourg, qui ont des grands espaces naturels à gérer. Voilà. Alors, la gestion des jardins, elle apparaît dans toute sa diversité dans les dossiers écrits, du plus important au plus anecdotique, hein. Il n'y a pas que la question des abords, même si la question des abords est importante, où il n'y a pas non plus que la question de la façade sur le jardin. Parce que quand on fait une recherche à l'intérieur des inventaires et qu'on cherche jardin, on voit apparaître évidemment toutes les façades sur jardin, voilà, qu'il faut éliminer de la recherche. Alors, pour se retrouver dans le fonds de F21, vous avez un inventaire très important, celui de Jean-Daniel Parizet, qui pour, disons, la fin du 19e et tout le 20e, une grande partie du 20e siècle, va vous livrer les clés de ce travail des architectes en chef des bâtiments civils palais nationaux sur les jardins dont ils ont la charge. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ? Bah, des circulaires sur la mise en culture des jardins et des palais nationaux, des examens de procédés pour la conservation des feuilles des arbres en 1928, des recommandations pour l'entretien des statues des parcs et jardins, aussi dans l'entre-deux-guerres, des dossiers sur l'éclairage, des dossiers sur le classement parmi les monuments historiques de certains jardins, l'ouverture de jardins au public, la question de l'élagage des arbres, des questions de délimitation domaniale, des questions de mise en culture des terrains, des questions de vente de fleurs de tilleul, des questions de plantes médicinales, des questions de concession, des questions d'entretien des miroirs d'eau ou de mise en place de miroirs d'eau, de pelouses. On a aussi à Versailles l'acquisition révolutionnaire d'une tondeuse en 1930, la tondeuse à moteur demi. Voilà, il y a des questions de fourniture, les questions d'aliénation de parcelles, la mise en place de poteaux indicateurs dans les parcs pour que les gens ne se perdent pas. Voilà, la question de la promenade à ânes dans le jardin de Compiègne. Alors, on parle beaucoup des ânes et des mulets, hein. Il y a beaucoup de choses sur les ânes et les mulets. On a des choses sur la cueillette du tilleul, qui est organisée aussi à Compiègne dans les années 30. La question de l'étiquetage des arbres rares. Vous voyez, un panel de préoccupations très important qu'on trouve à travers ces dossiers. Alors, on peut poursuivre l'exercice à travers la sous-série 64AJ, qui concerne qui provient de l'agence d'architecture du Louvre et des Tuileries, où là aussi, on va avoir beaucoup, beaucoup de documents sur la question des jardins et de leur entretien. Bon, alors, je vous passe les grilles, les candélabres, les piédestaux, les vases, les statues. Pour insister sur le projet de Jean Trouvelot, oui, Trouvelot et Olivier Lahalle, en 1962-1969, sur toute la réfection du jardin des Tuileries. Donc, un énorme projet très contemporain dont on a tout le dossier. Voilà. On a aussi, à la suite, dans les séries continues qui nous proviennent de Fontainebleau, tout ce qui est le programme général de réaménagement du jardin des Tuileries dans les années 90, en lien avec la mise en place du Grand Louvre. Hein. Et donc là, on a vraiment, vraiment tous les dossiers de réaménagement de ce jardin des Tuileries, avec tous les marchés, et notamment le marché à maîtrise d'ouvrage pour le réaménagement du jardin, qui a été entrepris par Bouchain. Voilà. Et puis tout ce qui est fourniture et transplantation de végétaux. Vous avez aussi toute une étude des arbres dans les années 90, parce que visiblement il y avait des soucis
d'entretien des arbres, et ça a même valu la constitution d'une commission consultative sur les arbres, donc dans le jardin des Tuileries dans les années 90, parce que visiblement il y avait un gros problème, un gros souci autour des arbres. Et puis vous avez aussi tout ce qui est la mission Tuileries, qui était une mission particulière à l'intérieur de tous ces services autour du Grand Louvre, qui a généré des expositions, dont certaines particulières sur les projets de jardin des Tuileries, une autre exposition sur l'arbre aux Tuileries, voilà. Donc, dans ces séries, vraiment des choses très diverses et très importantes. Alors maintenant, quelle est la présence du paysage dans le graphisme des architectes BCPN? Eh bien, en fait, cette présence n'est pas surprenante quand on parle de Versailles, de Marly, des Tuileries ou de la Villa Médicis, mais on voit qu'il y a une forte présence du paysage, même sur des plans qui sont beaucoup plus techniques. Par exemple, tout ce qui est conduite d'eau, alors là, je veux bien qu'on vienne mettre le diaporama, tout ce qui est conduite d'eau va générer des tas de plans où le paysage est très fortement présent, alors que franchement, il n'y a pas vraiment besoin de le dessiner. Hein. On pourrait dessiner simplement un plan au sol et puis le plan des conduites. Voilà. Voilà, alors j'avais fait un petit diaporama de tous ces plans un peu produits par des architectes BCPN qu'on trouve principalement dans la série VA, mais aussi en N, en O, en F21, voilà. Donc, comme je disais, c'est sans surprise pour Versailles, pour Marly, pour le Louvre et les Tuileries. Alors pour le Louvre et les Tuileries, vous verrez passer très vite trois plans qui sont exactement les mêmes, qui viennent de Percier et Fontaine dans les années 1810. Un de ces plans est conservé en O2, donc la maison de l'empereur. L'autre, le deuxième de ces plans est conservé dans la série N3 Seine. Donc voilà, cette collection factice de plans provenant d'un peu partout. Et le troisième est conservé en VA. Donc le même plan, avec quelques variantes, éclaté dans les trois séries, mais provenant tous les trois des BCPN. Voilà, donc vous voyez aussi la Villa Médicis à Rome, évidemment. Ça, c'est pas étonnant qu'on y trouve des documents graphiques qui concernent le jardin. En revanche, vous verrez pour les adductions d'eau un très beau plan du XVIIe siècle qui concerne l'aqueduc qui parle de la chapelle Saint-James et qui atteint le parc de Versailles. C'est un plan anonyme de la fin du XVIIe siècle. Très très long et très très beau, et voilà, qui est juste fait pour cette adduction d'eau. Un autre plan concerne les conduites de plomb et de fer à Versailles par Denis en 1718. Un autre concerne la machine à vapeur de l'aqueduc de Marly par Cécile en 1818. Un autre, de nouveau l'aqueduc de Buc à Versailles, et un anonyme du 19e siècle, qui est tellement beau que j'ai fait des vues de détails, parce que le graphisme est absolument magnifique. Voilà. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que ce goût du graphisme qui inclut les éléments naturels correspond à cette formation initiale, comme je l'ai déjà dit, des architectes et des ingénieurs. Et en fait, les documents graphiques qu'on conserve, provenant des BCPN, nous donnent moins à réfléchir sur la présence ou l'absence d'un jardin que sur l'évolution en fait de la représentation graphique même du jardin. Et on l'a déjà un peu dit tout à l'heure, les interventions précédentes l'ont dit, comment on représente le jardin du XVIIe siècle au XXe siècle et même à nos jours. Et ça, c'est, je pense, très intéressant. Et je ne pense pas que cette représentation du jardin soit simplement une façon de donner l'échelle, hein, par rapport à toutes ces données techniques. Et c'est pareil quand il y a un petit bonhomme, c'est pas forcément pour donner l'échelle, animer la vue. Là, je pense qu'on va plus loin. C'est vraiment un goût et un choix de montrer cette nature dans le projet autour du bâtiment. Voilà. Et ça se voit pour les jardins, par exemple le château et les jardins de Chauvry, dans le Val d'Oise, un plan d'ancien régime, hein, donc là un parc particulier, mais qui est la matrice de cette pratique graphique des architectes et des ingénieurs à partir du XVIIIe siècle. On a aussi Versailles, Saint-Leu-Taverny, un très très joli plan aussi, le parc et le château de Fontainebleau par Hippolyte Nectou. Alors donc là, vous savez, là c'est un botaniste qui a refait le parc et le château de Versailles
au début du 19e siècle, sous l'Empire et sous Louis-Philippe. Et là, c'est pareil, le graphisme est absolument magnifique et qui provient là vraiment d'un botaniste. Donc, on voit le soin apporté à la qualité graphique au rendu du jardin. Vous avez la Villa Médicis par Chifflet et des ambassades. Alors, Tokyo par Antoine Marcel, Ankara par Laprade, Ottawa par Baudouin, dont on a déjà parlé. Un Baudouin qui est très important. Donc, voilà. Et puis, d'autres projets, aussi entre deux guerres, des HLM du Grand Rond à Toulouse et le centre scientifique et universitaire prévu à Arcueil-Gentilly-Montrouge dans les années en 1946. Voilà. Donc, le lycée. Alors là, on va pouvoir revenir à ma présentation. Donc voilà, le lycée climatique d'Arcachon et le lycée de Marseille-Vert à Marseille. Donc, s'inscrivent vraiment dans cette continuité du dessin d'architecte BCPN. En fait, ces deux établissements, donc vous voyez là les plans, bon, c'est un peu réduit, mais vous voyez que ce sont de très très beaux plans. Ces deux lycées s'inscrivent dans toute la thématique de l'éducation nouvelle qui prend corps après la guerre, et notamment qu'on trouve inscrit dans le programme du Conseil national de la résistance, hein, qui a été publié en 1944 sous le titre « Les jours heureux », et dans lequel on peut lire, partie 2, article 5, « La possibilité effective pour tous les enfants français de bénéficier de l'instruction et d'accéder à la culture, la plus développée quelle que soit la situation de fortune de leurs parents, afin que les fonctions les plus hautes soient réellement accessibles à tous ceux qui auront les capacités requises pour les exercer, que soit ainsi promue une élite véritable, non de naissance mais de mérite, et constamment renouvelée par les apports populaires. » Donc, ce programme d'éducation nouvelle, qui s'appuie sur ce programme du CNR, va prendre corps par ce qu'on appelle l'émergence de l'éducation nouvelle, qui va être formalisée par le plan Langevin-Vallon, publié en 1947. Alors, ce plan ne sera pas mis de façon effective en route, parce que les ministres communistes ont démissionné juste en mai 47 et le rapport est rendu en juin. Donc évidemment le gouvernement d'Aladier ne veut pas cautionner ce rapport basé sur qui a été construit avec beaucoup de communistes, mais malgré tout au ministère de l'Éducation nationale, il y a Gustave Monod qui est directeur de l'enseignement du second degré et de l'Éducation nationale de 1945 à 1949 qui lui va développer ce qu'on appelle les classes nouvelles de la libération. Tout un programme d'éducation tourné donc vers cette égalité au moins des chances et où on travaille sur l'apprentissage par le réel et par le sport et par le contact avec la nature. Vraiment, Gustave Monod qui a été formé à l'école des Roches, donc qui a enseigné à l'école des Roches, une école alternative créée à la fin du 19e siècle, va vraiment porter ce programme. Et c'est lui qui va porter les deux créations des lycées climatiques, qui va porter la création des lycées climatiques tout court et du lycée de Marseille-Vert. Voilà. Alors, les lycées climatiques, qu'est-ce que c'est ? Oui, alors il va y avoir des plans types faits. Alors ce que je peux dire, c'est que ces plans types, en fait, produits par l'Éducation nationale, ne donnent pas du tout de vision des jardins, bizarrement. Voilà, bon, c'est comme ça. Et c'est pareil pour les plans types qui vont accompagner les idées de lycée climatique. D'ailleurs, il n'y en a pas. Tout le discours autour des lycées climatiques vont beaucoup parler du climat, mais très très peu du jardin et du paysage. C'est très étrange. Et c'est pareil pour le mémoire de Jean-Claude Bartoli en 1981. Ce mémoire qui est dû à un élève architecte de l'École nationale de Versailles, en fait, veut construire un lycée climatique et sportif au Queyras en se fondant sur l'expérience de Font-Romeu, évacue totalement la question du paysage. Il parle beaucoup du climat, du temps sec, de l'hiver, mais pas du tout du paysage, qui est très bizarre. Alors, le discours ne parle pas du paysage, mais en revanche, les dossiers et les plans qu'on conserve, eux, parlent grandement du paysage dans les deux expériences, à la fois du lycée climatique d'Arcachon et dans celui de Marseille-Vert. Alors, donc, je ne pourrais pas tout vous dire, mais tout ce que je peux vous dire pour le lycée climatique d'Arcachon, c'est que l'attention est portée au grand air
et notamment à l'air balsamique qui doit tourner autour des élèves, hein, puisque ces lycées climatiques ont été faits pour des élèves qui ont des déficiences, soit respiratoires, soit un peu psychologiques, qu'on va sortir du milieu urbain néfaste pour les faire respirer au grand air, soit en altitude, Briançon, Font-Romeu, voilà, soit au bord de la mer, à Arcachon, La Baule. Voilà, il y a à peu près 6-7 lycées climatiques qui ont été créés comme ça et qui existent toujours de nos jours. Hein. Ces lycées sont toujours en activité et reçoivent toujours des enfants avec des déficiences de santé. Voilà. Donc, on parle beaucoup du grand air. On parle beaucoup dans les dossiers. Ah oui, alors ça, j'aime beaucoup cette phrase pour Arcachon. Les élèves vont recevoir les vents océaniques atténués et tamisés par le vallonnement forestier et les dunes. Hein, voilà. On parle d'effluves balsamiques, on parle de l'abondance des pins, la richesse du terrain, sa beauté et surtout la beauté des vues offertes par le panorama Arcachon sont toujours soulignées dans toute la mise en place de ce lycée dans les années 40. Alors pour Marseille Vert, c'est tout à fait pareil. Alors Marseille Vert, c'est encore plus particulier parce qu'en fait, ce lycée qui est dû pour la construction, j'ai pas dit pour... Pour Arcachon, c'est un architecte BCPN, hein, c'est Paul Dominck qui a créé ce très très beau bâtiment. Pour Marseille Vert, c'est un autre grand architecte BCPN, mais qui est aussi architecte départemental des Bouches-du-Rhône, qui s'appelle Gaston Castel. Donc tout son projet va se bâtir sur un terrain très compliqué, parce qu'avec des déclivités très fortes. Mais là aussi, on est dans un espace naturel tout à fait exceptionnel, et qui a comme servitude justement lui-même, si je puis dire, puisque dans cette servitude, il faut conserver, parce qu'ils sont classés, la pinède et les arbousiers. Donc tout le travail de l'architecte va être d'implanter de façon correcte les bâtiments pour préserver la pinède et les arbousiers, et puis aussi pour offrir aux élèves, tout en faisant des économies pour l'administration de l'éducation nationale, d'offrir aux élèves la vue, là aussi, sur la mer, et puis tout le profit que peuvent apporter le fait de respirer au milieu des pins. Hein, donc c'est vraiment l'enjeu. Et là aussi, dans tout le dossier que je ne peux pas vous détailler, on a tout un discours autour du paysage qui s'offre aux élèves, du panorama splendide, de la pinède, de la belle pinède qu'il faut conserver au maximum, etc. Donc en fait... Même si, comme je le disais tout à l'heure, parfois certains discours officiels sur l'éducation ou sur les bâtiments eux-mêmes parlent très peu en termes, en tout cas, obligatoires de ce qui concerne le jardin, en revanche, dans les dossiers, dans les plans et dans la mise en œuvre même des bâtiments et des jardins qui vont avec, on a une forte présence du jardin, du paysage, de la question du panorama dans les dossiers. Voilà. Donc tout ce qu'on espère, c'est que cette promenade assez rapide dans les fonds de la direction de l'architecture vont vous inviter à aller plus loin. Alors là, je me suis fait plaisir. Hein. C'est Marly, c'est l'escarpolette, fin du XVIIIe siècle. C'est très joli. Voilà. Il faut aller regarder ces sources et puis effectivement les croiser toujours avec, pour aller plus loin, ce que peut donner parfois le niveau local, hein, puisqu'il y a parfois, notamment pour ce qui est des lycées, pour ce qui est des grands domaines, des échanges avec les municipalités et avec d'autres aussi administrations. Voilà.